toi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Anne se leva, c'est ça? Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, y versa des quoi? Des pleurs. Elle versa des quoi, Église? Des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, vous voyez que Anne elle-même s'intitule comme étant une quoi? À trois reprises, Seigneur, je suis ta servante. Si tu te rappelles de ta servante, 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 elle voulait montrer à Dieu qu'elle le servait. Il dit comme ça, je le consacrerai à qui? À l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Qu'est-ce que Anne désirait le plus dans sa vie? Un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet enfant? Elle a servi Dieu. C'est comme si elle a dit, Seigneur, cet enfant que tu me donneras ne sera pas pour moi. Qu'est-ce qu'une femme stérile, à quoi elle s'attache le plus? À son enfant. Des fois, à l'église même, nous parlons à ce sujet parce que ce genre d'enfant devient comme une idole. Une idole. Devient comme une idole. Le risque. Anne, elle aurait pu s'accrocher à cet enfant, le faire grandir et vivre avec elle pour que le monde sache que finalement Dieu l'avait rendue féconde et pas stérile. Mais non, elle a dit, tu me le donnes et je te le donnerai. Il ne sera pas pour moi, il sera pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que pour servir, elle ne pouvait plus continuer à faire ce qu'elle était en train de faire. Personne sert Dieu en vivant par la gloire du quoi? Du passé. Mais celui qui croit à qui Dieu parle, il sait ce qu'il doit faire. Amen, Église. Parce que nous sommes montés à l'autel pour faire un vœu avec Dieu. On va monter à l'autel pour accomplir notre vœu envers Dieu. Et on doit remonter à l'autel pour témoigner ce que Dieu a fait. Mais ça, pas par un intérêt des choses de ce monde, mais par l'intérêt suprême, Seigneur. Tu vois que ce que je désire le plus, c'est ta présence dans ma vie, ta présence dans mon corps, ta présence dans ma famille, ta présence dans ma santé, ta présence dans ma vie sentimentale, ta présence dans ma vie professionnelle, dans tous les domaines. Nous voulons la présence de qui, Église? De Dieu. C'est ce qui fait la différence. Si la présence de Dieu n'est pas là où vous voulez voir Dieu, vous pouvez même recevoir par la force de quoi? De votre bras. Mais vous finirez par le perdre. Par contre, quand vous faites comme Anne, est-ce qu'elle a perdu son fils? Non. Elle dit clairement, pour toujours, je le prête à Dieu. Dieu m'a donné dans ce vœu qu'elle avait fait. Et c'est ce sacrifice que nous allons vivre.